Comment allez-vous? En tout cas, moi ça va super bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, les gars, sur la Aria Clan. Donc, comme vous l'aurez vu au titre et à la miniature, les gars, aujourd'hui ça va être un best class setup de la Weavile. Donc, voilà, aujourd'hui je vais vous parler de la Weavile. Bah, pour tout ce qui sera du gameplay, ça va être un gameplay à la Weavile de la map Nocturne. Il était en G6 et c'était SkyZXF qui nous a réalisé un bon gameplay. Donc, il est équipé de sa Weavile en domination. Donc, voilà, gros GG à toi et ta chaîne sera en description. Donc, vous vous demandez pourquoi j'ai une voix comme ça, Bah, en fait, j'ai une angine. Donc, ça fait que voilà, ma voix elle est un peu foncée. On me dit que j'ai mieux, etc. Bon, je sais vraiment pas, je peux pas vous dire. Bref, je vais pas raconter ma vie. Donc aujourd'hui, voilà, ça va être un best class setup. Donc tout d'abord, je vais me présenter, mais je vais me représenter parce que peut-être qu'il y en a qui n'ont pas vu la vidéo où j'ai déjà été bleu. Donc je m'appelle Simzo, les gars. J'ai 15 ans, je suis player dans la Aria Clan. Et parfois, je vais commenter quelques vidéos sur la Aria Clan, les gars. Donc aujourd'hui, les gars, je vais vous parler de la Weavile qui est une arme dévastatrice. Je peux vous l'assurer, les gars, que vous allez taper la nucléaire avec cette arme. Donc tout dépendra de votre niveau. Donc tout simplement, en fait, les gars, pour taper la nuque, surtout avec cette arme, il faut jamais tirer de loin. C'est une arme qui peut tirer de loin, mais faites très attention, les gars. Parce que vous, si vous vous placez dans un top, etc., vous m'avez compris, bah obligé, vous faites défoncer pour une manoir ou tout AR qui existe, tout fusil mitrailleur. Donc les gars, bon, je vais vous expliquer comment taper la nucléaire. Donc tout simplement, les gars, mettez un G6, c'est beaucoup plus simple pour vous. Pour ceux qui n'ont jamais mis la nucléaire, jouez en G6, groupe de 6, jouez en mouche plus de chaos, tentez des nukes dans la map Nocturne parce qu'il n'y a pas plus simple. Donc vous jouez Purifier, surtout jouez Purifier. Moi j'ai l'habitude de jouer à la faux, mais jouez Purifier, ça va être plus simple pour vous. Ça va vous faciliter à taper des nucléaires et surtout à enchaîner les ennemis, faire des grandes brochettes, des grands barbecues. Tu vois ce que je veux dire, mon gars? Prendre un spawn, surtout prendre un spawn, le spawn de C sur Nocturne, c'est le meilleur, les gars. Jouez au C4. Bref, là je vais vous présenter directement la classe. Un screen s'affichera maintenant à votre écran. Je sais, vous attendez la classe avec impatience, donc je vous la présente maintenant. Un screen s'affichera maintenant à votre écran. Donc tout simplement, vous allez jouer à la Weavile. Bah voilà, c'est l'habitude. Donc vous jouez tir rapide, charge rapide, cross et poignée. Donc je répète, tir rapide, charge rapide, cross et poignée. Donc personnellement, vous demandez pourquoi Simzo tu joues pas à poignée ergo, etc. Car personnellement, je trouve que la Weavile vise assez vite. Sérieusement, j'ai tapé beaucoup de nuques avec cette arme en question. Donc voilà, j'essaie de faire un peu durer le commentary. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à lâcher un like, un commentaire, à t'abonner à ma chaîne YouTube qui sera en description et à la chaîne du player qui sera dans la description aussi. Donc sur ce, les gars, c'était Simzo. Portez-vous bien, portez-vous couilles. Allez, peace, les gars.